Bon, ben, je vais quand même repréciser un peu les choses. Donc, moi, je fais du BRF depuis plus de 20 ans, dans le cadre de la recherche, mais aussi dans le cadre de l'application. Donc, j'ai mené des projets où j'ai chaque fois intégré ce que j'avais mis au point au niveau de la recherche. Et donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous rebaliser un peu les bases du BRF, du bois raméal fragmenté. Et ensuite, ben, on va passer aux perspectives, aux prospectives de qu'est-ce que ça peut changer dans l'agriculture et dans le monde d'avoir cette technique d'utilisation du BRF. Alors, tout a commencé dans les années 70 avec l'invention des broyeurs à branches et leur développement. Donc, il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette révolution du broyeur à branches. Avant ça, on passait, pour valoriser les branches en agriculture, par le brûlis. Et donc, ça amenait des pertes énormes en carbone. Et donc, on avait une situation où il fallait à peu près 40 fois la surface cultivée de production de biomasse pour que ça tienne plus ou moins la route. Alors, dans les années 70, donc, on a développé le compostage, le compost de broussage. Ici, c'est votre compatriote Jean Pain qui a développé du compostage. Et ces techniques ont inspiré l'essentiel des gestionnaires de déchets aujourd'hui. Et donc, on fait du compost à grande échelle maintenant. À peu près en même temps, au Canada, des gens ont commencé à utiliser cette matière fraîche incorporée au sol et ont développé la méthode dont je vais vous parler. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Donc, le compostage, ben, ça permet de prendre du tout venant, donc de prendre un mélange de matière et de sortir quelque chose de stable et d'homogène qui est facile à utiliser en agriculture. Donc, ça, c'est plutôt un plus. Ça permet de réduire les volumes également de matière. Maintenant, le compostage est quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'on imagine avec cette technique nourrir la vie du sol. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un processus hors sol où on va concentrer des éléments nutritifs par perte de carbone. Et donc, on va faire chauffer un tas, on va faire chauffer un petit peu l'atmosphère aussi parce qu'on va émettre 2/3 du carbone sous forme de CO2. Donc, ce n'est pas forcément... quelque part, c'est un peu paradoxal de vouloir faire un processus hors sol alors qu'on veut nourrir le sol. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on incorpore cette matière aux premiers horizons du sol? Eh bien, il y a certaines améliorations indéniables. Donc, on arrive à avoir deux fois plus d'humus formé. Donc, vous prenez une branche, vous la broyez, vous la compostez, vous mettez ce compost dans le sol, il vous reste un atome de carbone sur 4 dans l'humus. D'accord? Vous faites la même chose, mais vous ne passez pas par l'étape compostage, il vous reste un atome de carbone sur 2 dans l'humus formé. Première chose. Deuxième chose, alors ça, je reviens à Jean Pain, donc il a chauffé des maisons, des serres avec cet tas de compost où il a mis des petits serpentins et c'est un bon scientifique, donc il a mesuré les choses et donc on sait combien d'énergie produit un tas de compost. Et par rapport aux doses que je vais vous recommander d'utiliser en agriculture, hein, eh bien, on a l'équivalent de 40 mégawattheures par an d'énergie produite pour nourrir la vie du sol, qui, si vous compostez la matière, part en chaleur et dans l'atmosphère, ça ne sert à rien pour le sol. Si vous mettez cette matière fraîche dans le sol, ça fait tourner toute l'usine, toute la mécanique de la vie des sols. Et donc, 40 mégawattheures, c'est quoi? Eh bien, c'est 4000 litres de pétrole à ver de terre. Première chose. Et 40 mégawattheures, c'est quoi par an? C'est le produit de la photosynthèse. Donc ça, c'est assez intéressant. Un écosystème naturel va produire, grâce à l'énergie solaire, 40 mégawattheures par an de matière organique. Donc il y a eu quelques études canadiennes qui ont permis de baliser, il y a une dizaine d'études canadiennes qui ont permis de baliser ces techniques. Donc on y parle notamment de disponibilité de l'azote, etc., de séquestration de carbone, donc tout ça a été bien balisé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait en Belgique? Ben, on a mené aussi quelques études et on a réussi à mettre au point des techniques pour mettre cette matière au service de l'agriculture. Et notamment, on a levé le principal problème, la fin d'azote. Alors je vous ai parlé de Jean Pain et sa méthode, donc, qui était déjà mieux que la jachère forestière. Eh bien, avec une méthode comme ça, vous avez besoin de 10 fois la surface cultivée en production de biomasse. Hein? Ici, on a une méthode qui va être beaucoup plus efficace, mais avec un petit problème que vous n'avez pas avec le compostage, c'est la fin d'azote, il va falloir gérer ça. Alors ça, c'est nos résultats. Ben, en gros, qu'est-ce qu'on a? Une méga stimulation de la vie du sol.
on a une stabilisation du pH, ce qui n'était pas du tout ce qu'on attendait, mais bon, c'est ce qu'on a mesuré. Et alors finalement, on peut dire que c'est le meilleur amendement, le BRF, pour un sol, parce que vous allez produire énormément d'humus, donc vous allez séquestrer beaucoup de carbone dans le sol, et vous allez également libérer pas mal d'ions Ca et Mg qui sont impliqués dans les liens argilo-humiques. Donc vous avez stimulation de la vie des sols et formation d'humus stable. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et donc, on a mesuré qu'un mètre cube de BRF, ça va permettre d'apporter au sol 75 kg d'humus. Alors, première question subsidiaire, combien faut-il d'azote ? Alors, ça, je le dis tout de suite, il n'y a jamais personne qui comprend, mais je vais quand même encore une fois l'expliquer. Donc, vous regardez la fin. Donc, ça, c'est ce qui se passe après. Hein, le graphique à droite, sur le N, vous voyez que vous séquestrez de l'azote. Ah bon ? Hein ? Attendez, hop. Ça ressemble au graphique du carbone. Ça vient d'un phénomène très simple, c'est que l'humus, c'est un stock d'azote. Donc l'humus, c'est 10 fois plus riche en azote que le fumier. Donc à terme, on va séquestrer de l'azote. Alors, qu'est-ce qui se passe immédiatement ? Immédiatement, vous allez stimuler la vie du sol, et donc vous allez réorganiser de l'azote. Et plus vous mettez de BRF, et ça c'est la partie de gauche, plus vous mettez du BRF, plus vous allez stimuler cette vie du sol, et plus elle va séquestrer de l'azote instantanément. Et donc cet azote va être stocké dans l'humus si vous êtes à humus croissant. Alors, ça ne pose pas de problème, par exemple, si vous êtes à l'équilibre. Donc si vous arrivez à un moment à un équilibre, tout l'azote que vous allez séquestrer sera relibéré également. Donc il y a une chose qui est importante à retenir pour moi, c'est quand on regarde 3 cm de BRF, 300 m3 par hectare, ça séquestre la moitié de l'azote que vous apportez, donc vous devez doubler vos doses de fertilisation au moment où vous incorporez la matière au sol, à cette dose-là. Alors, deuxième question, combien faut-il de BRF ? Question subsidiaire. Donc très important, alors moi j'ai calculé les choses à l'envers, donc je me suis dit combien est-ce que je veux qu'à l'équilibre, parce que vous apportez chaque année la même dose, hein, à l'équilibre, à un moment vous allez atteindre un certain niveau d'humus. Bien moi je vais chercher le niveau d'humus qui va m'amener à l'autofertilité. Et donc je voudrais par exemple libérer 300 unités d'azote par hectare et par an par la minéralisation du stock d'humus qui sera présent à l'équilibre. Donc je calcule tout ça, ça me fait 8% d'humus à l'équilibre, et ça représente, la dose que je dois apporter de BRF, c'est 1 cm de BRF par an. Ça c'est la dose. Et donc ça c'est intéressant aussi, c'est 8%, parce que c'est le taux d'humus d'une vieille prairie ou d'une vieille forêt. Donc on retombe sur des choses naturelles. Alors ça correspond aussi à ce que Conrad et François disent, hein, donc c'est 1 cm de BRF par an, ça fait 20 à 30 tonnes de matière sèche par hectare. Donc tout ça est cohérent. Alors comment l'appliquer ? Et donc comment gérer cette question d'azote ? On a différentes situations. Il y a une première situation qui est la situation courante, peut-être en grande culture, où on va amener des doses relativement faibles, et donc jusqu'à 50 m3 par hectare appliqués après culture, il n'y a pas de problème avec l'azote, parce que tout ce que vous allez faire, vous allez récupérer des pertes. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre ça sans souci et sans parler d'azote, et vous allez voir, ça va très bien marcher. Alors parfois en maraîchage, on doit démarrer une parcelle, et on a une catastrophe, et on veut y aller vite, parce qu'on veut tout de suite un sol fertile, et donc on met des doses très importantes. Mais dans ce cadre-là, quand on met des doses très importantes, je vous recommande la méthode 50-50. Donc vous mettez moitié BRF, et moitié, par exemple, du fumier, un apport riche en azote. Et ça va très très bien marcher aussi, et donc tout ça, on peut le calculer, et ça fonctionne dans la pratique. Alors, à terme, et c'est le problème des systèmes en maraîchage sur sol vivant, c'est qu'on est dans la reconstruction de sol, etc. Et puis, et après, une fois qu'on a reconstruit le sol, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait avoir un régime stationnaire, il faudrait avoir quelque chose de régulier, et donc, quelque part, une rotation d'apport de matière organique. Et donc, ma proposition par rapport à ça, et plus spécifiquement par rapport au maraîchage, eh bien, c'est d'amener en année 1 un mulch de 3 cm de BRF. Comme je vous ai dit, c'est facile pour mes calculs. Et je vais faire ça une fois tous les 3 ans. Donc ça va me faire ma dose de 1 cm par an. Alors en année 2, je vais incorporer ça au sol. Et donc je vais avoir une immobilisation d'azote. Et à ce moment-là, je vais soit doubler ma fertilisation, soit mettre une année légumineuse.
Et en année 3, c'est pareil. Et puis je recommence mon cycle. Et donc je propose, au lieu d'amener 1 cm de BRF par an, d'amener 3 cm une fois tous les 3 ans. Alors, autre question, comment le produire ? Eh bien, donc si on veut faire des taillis pour produire cette matière organique, donc rappelez-vous, j'avais x40 avec la jachère forestière, x10 avec la méthode Jeanpin. Ici, je vais être, il va me falloir 2 fois ma surface cultivée en taillis, donc c'est déjà beaucoup mieux, pour produire la matière organique dont j'ai besoin. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de l'agroforesterie, parce qu'avec la synergie qu'il y a entre les arbres et les cultures, on va optimiser le système, et donc on va pouvoir consacrer seulement 10 à 20% de la SAU en agroforesterie à produire la biomasse nécessaire. Et c'est très intéressant parce que cette biomasse, elle va s'apporter naturellement à la parcelle, par les feuilles mortes, par les radicelles. Hein ? Donc ça, ça marche, et ça a aussi été validé expérimentalement. Et donc avec ça, avec une agroforesterie de 50 à 100 hectares, peut-être plutôt 100, on va arriver à maintenir nos taux d'humus de 7-8%, ce qui est très intéressant. Il y a juste un défaut à l'agroforesterie, c'est qu'il va falloir 15 ans pour qu'un arbre ressemble à un arbre. Et donc pendant ce temps-là, le BRF trouve sa place. Alors, c'est maintenant que je vais essayer d'arriver aux prospectives et peut-être un petit peu vous secouer. Donc, on est dans une situation dramatique. Là, on va vers l'extinction de l'humanité, à horizon peut-être 2100, et on doit faire quelque chose. Et l'agriculture a son rôle à jouer là-dedans. Alors, bon, il y a toute une série de choses. Il y a le CO2. Hein, on émet 40 gigatonnes, 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Il y a la population humaine qui a explosé en très très peu de temps. Donc les premiers hommes, ils étaient 100 000. Les premiers homo sapiens, ils étaient 1 million. Et puis maintenant, bon, on est 7 milliards. Donc ça a fait une pression considérable sur la biosphère. Et moi, le graphique qui me marque le plus, c'est le camembert. Là. Donc sur les mammifères terrestres et sur les oiseaux, nous représentons, nous et nos troupeaux, 95% de la biomasse vivante. Donc quand vous prenez conscience de ce graphique, vous savez qu'on est au bord de l'extinction de la vie. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser l'agriculture. Donc là, 2 choses. Première chose, il faut planter des arbres sur toutes les surfaces agricoles. Alors si on plante des arbres sur toutes les surfaces agricoles, on peut stocker l'équivalent de toutes les émissions. Donc on a vu tout à l'heure, mon confrère a parlé de la France, au niveau mondial, on a la capacité, avec l'agriculture, avec l'agroforesterie, de stocker toutes les émissions actuelles. C'est quand même quelque chose, c'est de la balle, ça, hein, ça c'est merveilleux. Alors j'invite évidemment la communauté scientifique à démentir ce chiffre et à me démolir. Hein, j'aimerais bien. Deuxième chose, l'élevage. Parce qu'on a vu, les arbres, ça met 15 ans. Alors, la principale cause de détérioration de notre environnement, c'est le développement trop important de l'élevage. Donc, on a entre 15 et 30% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'élevage. Donc, c'est quand même catastrophique. Et c'est une énorme pression sur des écosystèmes distants, notamment la destruction de la forêt amazonienne pour nourrir nos bêtes. Donc ça, c'est vraiment un vecteur énorme de changement immédiat. Donc réduire l'élevage, ça permet de réduire immédiatement, de taper sur 15 à 20% des émissions immédiatement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner ici ? On développe, donc je vais commencer à droite, on développe l'agroforesterie sur le monde, enfin sur toutes les terres où il n'y en a pas, ça fait 3,8 milliards d'hectares. Qu'est-ce qu'on a ? On va diminuer de 20% la SAU. Et donc, on va plus savoir nourrir tout le monde. Donc, il va falloir récupérer quelque part de la terre, pour pouvoir, en tout cas, de la capacité à nourrir les gens, pour compenser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réduire l'élevage. Et donc, simple petit calcul, si on réduit de moitié l'élevage européen, on atteint largement ce qu'il faut pour continuer à nourrir tout le monde, et même plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une aberration dans notre élevage, en tout cas européen. Donc on a 170 millions d'hectares de SAU, et là-dessus, il y a 130 millions d'hectares qui sont consacrés à l'élevage. Et donc on a des grosses aberrations, elles sont en rouge, mais c'est 20 millions d'hectares de protéines importées pour nourrir notre élevage, qui sont poussées sur la forêt amazonienne essentiellement, et 31 millions d'hectares de céréales qu'on utilise pour nourrir nos bêtes.
Donc ça, c'est quand même des choses assez importantes. Alors, ce qui pose problème en général, c'est quand on dit réduire l'élevage, les gens comprennent réduire les éleveurs. Mais c'est pas du tout ça. Donc ça veut dire arrêter avec l'élevage industriel et passer à de l'élevage bio et paysan. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que dans mon pays, hein, il y a 50 ans, hein, une ferme, une grosse ferme, c'était 50 hectares, 15 vaches, hein, 15 vaches en production laitière et une cinquantaine de bétail, une cinquantaine de têtes de bétail. Et donc maintenant, une petite ferme, c'est toujours 50 hectares, mais là maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 60 bêtes en production laitière et vous avez peut-être 180, 200 têtes de bétail. Hein, et donc comment est-ce que vous croyez qu'on nourrit toutes ces bêtes? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va évidemment développer des techniques pour aider l'élevage à se porter mieux. Alors, la première chose, c'est développer un élevage qui est autonome en protéines et qui est même exportateur net de protéines végétales. Et donc ici, on voit que le BRF, ça peut servir à plein de choses. Là, c'est une petite rotation martingale magique où vous rajoutez les tailles de voé incorporées au sol juste avant 2 ans de légumineuses, qui va te permettre de produire des fourrages pour vos bêtes. Et avec ça, vous allez rajouter dans votre système 100 unités d'azote. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'azote présent dans le BRF au départ, et parce que vous allez activer la séquestration de l'azote issu de la légumineuse dans l'humus du sol. Et donc vous allez rajouter sur les 3 années de grande culture qui sortent après, vous allez rajouter 100 unités d'azote, ce qui est tout à fait intéressant. Et donc, avec ce qui revient par l'élevage, vous avez un système où vous faites 2 ans de luzerne, par exemple, et 3 ans de grande culture, 0 engrais, ça tourne tout seul, les taux d'humus sont stabilisés, c'est merveilleux. Alors, vous avez aussi des tas d'endroits où il y a des pertes hein, dans les systèmes d'élevage, notamment à la sortie des étables, etc. On a prouvé qu'avec le BRF, on pouvait aller capter ça et donc limiter les pertes à ce niveau-là ou dans les épandages en fin de saison. Donc, on a toute une série de vecteurs qui permettent de faire tourner mieux ces systèmes d'élevage et de les rendre plus autonomes en protéines, ce qui est l'avenir si on veut arrêter les importations de protéines soja transgéniques. Alors, deuxième chose, donc nous, on avait une ferme d'élevage expérimentale. Hein, évidemment, la première chose que fait un agriculteur quand il a du BRF, comme on a vu tout à l'heure, c'est qu'il le passe à l'étable. Et bien, c'est une très bonne idée. Et donc là, on a une autre solution. C'est, en fait, les systèmes d'élevage ont besoin de fumier. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, quand vous mettez du BRF à l'étable, vous multipliez par 4 le potentiel autofertilitaire de votre ferme d'élevage. Donc ça, c'est fantastique, parce que vous allez produire 2 fois plus de fumier, hein, et ce fumier va être 2 fois plus riche. Donc ça, c'est quelque chose de formidable quand vous êtes dans un système autofertile. Donc vous allez faire des économies de paille, hein, vous broyez vos haies, vous les passez en litière d'élevage, et vous allez produire 2 fois plus de parce qu'il faut plus de BRF pour pailler de la même manière, de produire 2 fois plus de fumier, et ce fumier, il titre à 9 en azote, et pas à 5. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant également. Et alors, finalement, nos amis vegan, hein, alors ça, c'est la partie encore plus hard. Nos amis vegan, moi, je suis assez fan parce que je trouve que les vegans, ils ont une très belle idée. C'est étendre l'empathie humaine à tout le règne animal. C'est une idée merveilleuse. Je ne sais pas qui pourrait être contre ça. Mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'ils ne comprennent rien à l'agriculture. Et donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de leur inventer une agriculture. Alors, ils en ont une, mais bon, elle ne marche pas très bien. Et donc, voilà un petit système complètement indépendant des engrais chimiques et complètement indépendant de l'élevage et qui tournera très, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des surfaces, et donc c'est un système plus ou moins maraîcher. Dans un système plus ou moins maraîcher, il y a pas mal de surfaces qui sont consacrées au chemin. Et ça fait des prairies qui vont séquestrer de l'azote, et on va mettre cette herbe sur les parcelles à un certain moment. Et donc vous avez une rotation, l'année 1, 3 cm de BRF, là vous mettez des légumes à repiquer, hop, vous l'incorporez l'année 2, légumineuse pour la consommation humaine, hop, année 3, vous mettez toutes les herbes que vous avez récoltées et vous incorporez tout ça et vous semez des légumes. Année 4, vous passez une céréale et vous terminez par un couvert végétal biomax, que vous couchez, vous revenez année 1, etc. Et tout ça, ça tourne. Et donc, avec cette densité d'arbres-là, avec cette quantité de chemin, avec ces proportions-là, eh bien, je vous garantis que ce système, à terme,
il est totalement autonome et autofertile. Et vous n'avez plus besoin de rien. Donc là, voilà, moi je voulais juste vous présenter les perspectives de la compréhension profonde de qu'est-ce qui se passe dans le sol et qui est assez simple finalement, comment nourrir la vie du sol, comment nourrir les plantes en même temps. On peut arriver finalement à faire des designs pour à peu près toutes les situations, que ce soit de l'élevage paysan ou que ce soit un système vegan. Et donc moi je crois qu'on doit arrêter aussi les petites querelles quelque part entre des écoles de pensée, des sensibilités, etc. et dire voilà, on est tous dans l'agriculture du vivant et le ver de terre n'a pas de religion.